Voilà. Salut à tous, voilà, bonjour ou bonsoir ou bonne nuit, ça dépend de la position de chacun sur la planète Terre, planète secouée par un mystère, secouée par une maladie, une pandémie qui trouble tout le monde. Ceux qui croyaient déjà en Dieu ont renforcé leur foi. Ceux qui ne croyaient pas en Dieu le découvrent. Tout le monde réclame le sang de l'agneau. Heureusement qu'il est Dieu, sinon il allait être anémié. Voilà, salut à tous. Deuxième direct, Amani Dadier, quel way. Il ne faut pas avoir peur de réagir, il faut réagir, mon frère. Le sujet, il est là. Avons-nous les moyens d'empêcher le vaccin du Covid en Afrique? C'est le sujet d'aujourd'hui. Salut Sylvie Gogoua. Salut, je vais saluer tout le monde. Jean-Florent Nguessan, salut à toi aussi. Voilà. Suzy de la Fée, ma soeur depuis la Sojipia. Yopougon, salut à toi. Voilà. Le sujet, il est là. Nous allons l'aborder ensemble. Mais avant, je voulais déjà saluer tous les membres de notre association Né pour vivre. Né pour vivre. Et concernant même le sujet d'aujourd'hui, on a un membre influent qui a fait aussi une intervention, Didier Drogba, voilà, sur le vaccin en Afrique. Salut à toi, Didier. Voilà, c'est un membre de Né pour vivre aussi, côté football. Voilà. Alors, comme je disais, deuxième direct de la semaine, l'actualité oblige. Je suis pas trop habitué au direct, je préfère faire des mises en boîte et puis voilà, c'est bien fait et puis voilà. Les directs, comme je l'avais promis, je suis là. Je voulais aussi saluer la mémoire d'un grand frère. Je devais faire cette vidéo depuis hier. Mais j'ai été vraiment très secoué par la nouvelle. Toujours le Covid-19. Lui, il n'est pas mort du Covid-19, mais il est mort pour le Covid-19. Parce que il était en route pour une mission à Yamoussoukro. Et je crois qu'ils ont eu un accident de cortège, puisqu'il travaille avec le ministre Mabri Touakus. Il est même son chef de protocole, Sylvain Gué, qui est décédé sur le champ. Repose en paix, grand frère. C'est toute la commune la Tekoubé qui a été secouée par la nouvelle hier. Donc, tout bidjenté. Voilà. Dommage. Monique Do. Bonjour. Alexandre Zumba. Ah, mon champion, comment tu vas? Ok. Alexandre, en tout cas, c'est bon. Hein, ça réagit bien parce qu'il fait partie de l'association Solidarité Ouais, qui est mon ethnie en Côte d'Ivoire. Parce que nous avons lancé un mouvement en ce moment pour réclamer justice justement du génocide qu'il y a eu dans notre région, voilà, devant les institutions internationales. Donc tous nos parents à travers le monde sont en train de réagir, les ouais. Donc il y a un compte en ligne, de collecte en ligne qui a été voilà, ouvert. Et je pense qu'il y a beaucoup de réactions des enfants ouais, du peuple ouais. Donc c'est l'OASSO, voilà, association, ben Flash Association. Zoom, tu peux écrire ça en commentaire à plusieurs reprises pour que nos parents, ouais, qui souvent m'écrivent aussi pour savoir comment faire pour participer, pour contribuer à l'effort de justice. Tu écris ça et puis comme ça va paraître sur le truc, comme ça tout le monde va lire. Voilà. L'OASSO, alors Flash Association avec S à la fin, Flash. Solidarité, tiret de 6, et puis ouais, voilà, solidarité sans accent aigu, ouais sans accent aussi, et puis voilà quoi, voilà. Vous êtes sur la page, vous pouvez faire vos dons. Alors, je suis là parce que il y a un sujet très important qui touche le continent africain,
Et je vois des réactions çà et là de toute l'Afrique et de tous les enfants de l'Afrique, parce que il y a deux minables professeurs racistes qui ont tenu des propos, bien sûr, racistes sur des chaînes de télévision. Donc, ce qui a fait réagir tous les enfants de ce continent, tous les enfants de l'Afrique. Moi, j'en rigole parce que j'ai l'impression que c'est comme si c'était une frénésie sur la toile. J'ai l'impression que c'est maintenant que l'Africain se rend compte qu'il doit se réveiller. Pourtant, il y a longtemps que nous en parlons. Il y a longtemps que nous en parlions. Il y a longtemps que les Africains dénoncent cela. Beaucoup ont perdu leur vie dedans. Je ne pourrais pas citer eux tous, mais quand tu parles des Kwame Nkrumah et tu parles des Patrick Lumumba, mais ils réclamaient la souveraineté de l'Afrique. Ils réclamaient la souveraineté de l'Afrique. Ils savaient ceux-là que les décisions ne venaient pas de nous. Donc, soit on est indépendant ou on n'est pas indépendant. Donc, c'est ce que ceux-là réclamaient. Et jusqu'aujourd'hui, ça continue. Il y a des enfants de ce continent qui continuent de réclamer la souveraineté de l'Afrique. Vous voyez? Des gens vont s'asseoir quelque part dans un bureau et ils décident à leur place, l'ONU. Et puis on dit, bon, ou bien l'OMS, ou bien on dit, bon, voilà ce qu'il faut faire pour ce continent-là. En fait, ce continent n'appartient pas aux Africains. C'est ce qu'on veut nous faire comprendre. Nous vivons là, mais ce n'est pas à nous le continent. Le continent appartient aux Occidentaux. Eux, ils décident de comment nous, on doit vivre, comment on doit manger, comment est-ce qu'on doit se soigner. C'est eux qui décident à notre place. Et c'est à ça qu'on assiste. Nous sommes en 2020, en plein dans le 21e siècle. Ce que nos ancêtres ont vécu, je ne dirais même pas dans le 10e ou bien combien, 15e siècle, là, nous sommes en train de le vivre aussi. Mais c'est une forme. C'est une autre forme de l'esclavage que nous vivons en ce moment, puisque ce n'est pas nous qui décidons. Ce n'est pas nous qui choisissons comment nous soigner, qu'est-ce qu'il faut faire pour notre continent. C'est des décisions qui sont prises ailleurs sur d'autres continents, par d'autres personnes, et puis nous, on nous les impose. Parce que nous sommes Africains. Vous voyez, par moment, quand il y a des situations et que des hommes, des personnalités publiques ou des hommes publics sortent pour dénoncer, ce n'est pas parce qu'on est forcément partisan de qui que ce soit. Comprenez? Ce n'est pas parce que Joseph est au pouvoir et que je suis un proche de la même ethnie que Joseph ou bien du même groupe politique que Joseph. Et que Joseph est en train de déconner, et que quelqu'un d'autre se lève pour dénoncer cela, mettre la pression pour ne pas que Joseph déconne. Alors, nous, les partisans de Joseph, on se lève et puis on attaque tout le monde. Tout ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on ne réfléchit pas. On ne sait même pas de quoi les gens parlent. C'est-à-dire que nous, il faut défendre Joseph, c'est ça notre problème. Mais est-ce que ce que Joseph fait là, s'il n'est plus au pouvoir demain, ça va t'arranger? C'est de ça qu'il s'agit. Quand on parle, vous dites. Non, tu es un artiste, ne fais pas la politique. Mais non, on ne fait pas la politique. Mais nous sommes politiques parce que la vie que nous menons là, c'est la politique. Puisque aujourd'hui, tous les Africains se lèvent. Je vois Samuel Eto'o fils qui s'est levé pour dénoncer, Drogba aujourd'hui qui s'est levé pour dénoncer. Ils font de la politique. Ou bien c'est parce que c'est des Blancs qui ont parlé là-bas, donc ils doivent réagir. Non. Mais quand les Blancs ont parlé là, les décisions là, qui va les mettre en exécution? C'est justement ceux qui sont à la tête des différents pays africains qui vont exécuter ces décisions. Alors, bonjour Amiral, comment tu vas mon champion? On ne s'est plus revu après la Hollande. D'accord, on va se parler mon champion, on est ensemble. Alors, pour moi, la politique, c'est le quotidien de l'être humain. J'ai donné l'exemple de Joseph. Non, ce n'est pas parce que aussi Mahdou est au pouvoir. Donc, comme
Et on sait que je ne suis pas un partisan de Mahamadou, donc les partisans de Mahamadou ferment les yeux sur tout ce qu'il fait d'anormal ou bien d'anormaux ou bien quoi. Et puis, quelqu'un se lève et dénonce, on trouve que non, tu n'aimes pas Mahamadou, donc on t'attaque. Mais est-ce que, quand Mahamadou ne sera pas au pouvoir demain, les comportements de Mahamadou là, qu'il a eu à poser, à les actes qu'il a eu à poser là, est-ce que ça va t'arranger toi qui défendais Mahamadou? C'est là que tu vas te rendre compte que ça ne t'arrange pas. Vous voyez, nos politiciens, du moins nos dirigeants, je ne dirais pas nos politiciens, puisque les politiciens, nous sommes tous des politiciens, nous mènent à l'abattoir. Oui. Parce que pour que ces deux minables professeurs-là aient le courage de s'asseoir sur un plateau de télévision en direct du monde entier, pour dire qu'il faut prendre ce vaccin là pour aller l'essayer sur les maudits là, les animaux qui sont en Afrique là, que nous sommes là. C'est parce qu'ils ont leurs pieds sur caillou. Ça veut dire que l'Union européenne s'est déjà assise. L'Union européenne s'est déjà assise avec leurs différents dirigeants. Ils ont déjà validé ce qu'il fallait valider. Ils ont déjà envoyé l'argent là où ils doivent envoyer chez nos différents chefs d'État qui doivent accepter le vaccin et que ceux-là ont donné leur accord. C'est pourquoi j'ai eu le courage de s'asseoir pour dénoncer. Sinon, ils ne peuvent pas se lever ceux-là. Ils savent, ils ne peuvent pas se lever d'eux-mêmes pour venir dire ça. S'ils l'ont dit, c'est parce que c'est bien réglé. Comme on le dit, bouclé, géré, serré, tout est bouclé, géré. Et puis ils sont sortis pour faire ça. Ouais. S'ils l'ont fait, c'est parce que tout était déjà réglé. Et vous n'allez jamais les voir, les Occidentaux. Ils sont tellement vicieux. Vous n'allez jamais les voir eux-mêmes se mettre en première ligne. Ils vont toujours utiliser le noir pour aller combattre le noir, c'est-à-dire s'opposer aux bonnes idées de l'autre noir là, qui dit non, ce que vous faites là, ce n'est pas bon pour le continent. Ils vont utiliser un autre noir pour venir le placer devant nous. On voit ça, hein? On était assis là pendant que le guide Mohamed Kadhafi, paix à son âme, était en train de lutter pour une Afrique unie. Il a commencé à être bombardé. Et les autres Africains étaient assis, ils ont assisté. C'est-à-dire que c'est le dernier, c'est-à-dire notre dernier bâti africain qui est parti là, Mohamed Kadhafi, c'est lui là. C'est-à-dire qu'on était tous là, on a regardé. Et puis, ils l'ont assassiné devant nous. Il avait quelle idée? Il avait des idées d'une Afrique libre, d'une Afrique qui décide d'elle-même, d'une Afrique indépendante. Mais aujourd'hui, je vois des Africains qui s'élèvent. Non, nous ne sommes pas vos laboratoires. Mais il y a longtemps, on est le laboratoire de l'Occident. Il y a longtemps que nous sommes le laboratoire de l'Occident. Donc, moi, quand je regarde les réactions, mais quand ça ne vous arrange pas, à ce moment-là, vous faites de la politique. Mais quand ça vous arrange, là, vous ne touchez pas la politique. Africains, réveillons-nous. Réveillons-nous. Vous voyez, si il y a un seul chef d'État qui combat l'Occident et que les autres sont assis, assistent, il sera toujours faible devant eux. Mais si c'est tous les États d'Afrique qui se lèvent pour réclamer la souveraineté de l'Afrique, on va l'obtenir. C'est clair. On va l'obtenir. On ne peut pas... Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, il est à La Haye avec son ministre Charles Boudé. On a fini un jugement des gens qui ont été acquittés. Moi, qu'on dise non, t'es partisan, pas partisan, c'est pas de ça qu'il s'agit. Ça a été un jugement qui a été en direct du monde entier. C'était transcrit et en anglais, et en français, et en arabe. Et puis les gens suivaient. Et puis on a dit, ils sont acquittés. Mais comme ils sont noirs, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils sont allés prendre des noirs, c'est-à-dire qu'ils ont pris un noir, ils ont déposé pour les maintenir là, une noix qui est là pour les emmerder. C'est-à-dire que les Occidentaux, là, ils se mettent toujours de côté, tellement ils sont vicieux. Vous voyez, arrêtons. Notre continent est tellement riche que si nous apprenons nous-mêmes à transformer nos matières premières chez nous, nous apprenons nous-mêmes à faire confectionner nos monnaies chez nous, mais ils ne vont pas aller tenir une réunion de combien de puissances là d'après eux pour venir nous dire qu'ils ont fabriqué un vaccin pour nous les sauvages là. Oui,
Ça veut dire qu'on ne représente rien. Donc, on décide à notre place. Sinon, je veux ici à la démocratie en Europe. Ils ne peuvent pas prendre sur eux-mêmes comme ça de décider quelque chose pour une population. Donc, il n'y a que là-bas, là où on n'a pas de démocratie. Parce que quand on fait élection, ça finit par la mort. Et quand il y a un chef d'État qui est là, il faut faire un coup d'État pour l'enlever. On envoie un autre noir pour l'enlever. Donc, vous voyez, ils savent que là-bas, tout est permis. Mais on a quel moyen d'empêcher le vaccin? Salut, président Saint-Épice. Quel moyen avons-nous d'empêcher ce vaccin en Afrique? C'est de ça qu'il s'agit. On ne pourra pas. Puisqu'ils ont déjà encaissé l'argent des Occidentaux. Nos différents dirigeants à la tête. Peut-être qu'ils sont peut-être deux ou trois personnes qui n'ont pas, peut-être qui ne sont pas trempés dans cette histoire-là. Mais c'est déjà bouclé. Et si, à savoir même si les vaccins n'ont pas commencé. La seule chose qu'il faut faire, et dans une autre précision, quand il parle de l'Afrique, là, il ne parle pas de l'Afrique arabo. Hein. Nos frères de la Tunisie, Maroc, Algérie et autres, là, je ne pense pas qu'ils soient concernés par ce vaccin. Parce que eux, ils ont réussi à se faire respecter. Ils ont réussi à s'imposer. Ils ont réussi à arracher leur indépendance. Ici où on est, en Europe, ici, là, quand tu es dans une boîte, c'est-à-dire qu'une société, ou tu es dans une école, ou bien quelque part, avec un frère africain arabe, le blanc, il respecte plus, il a plus peur de l'arabe africain que toi, l'Africain à la peau noire. Parce que eux, ils ont su se faire respecter. Donc, le vaccin, je ne crois pas que ça va aller vers l'Algérie, Maroc, Tunisie, autre là-bas. Non, non, ça va descendre dans l'Afrique subsaharienne. Pourquoi? Parce que c'est des gens qu'eux choisissent à chaque fois pour déposer à la tête de nos États. Donc, quand ils prennent des décisions dans leur bureau là-bas, ça vient tout de suite, sans discussion, et c'est exécuté. Regardez, entre guillemets, comment nos différents chefs d'État africains gèrent cette crise de coronavirus. Mais il fallait s'y attendre. Quelque chose qui fait ravage comme ça, blanc, avec toutes les infrastructures qu'ils ont ici, avec tout ce qu'ils ont comme médecine, ça les couche, ça les débête, comme on le dit dans le langage ivoirien, tous les jours. Mais malgré ça, ils sont en train de lutter. Et chez nous, on dit que quelque chose qui tue à échelle commune arrive, et puis, tu vois, ça s'amuse, on laisse les gens encore dans les marchés, parce qu'ils ont leur vaccin qui arrive. Vaccin. C'est ça qui arrive. Et ils ont déjà pris l'argent. Ils ont déjà accepté. Ils se sont déjà parlé. Donc, est-ce que nous avons les moyens, nous, peuple africain, d'empêcher ce vaccin? Je ne compte pas sur nos dirigeants. Mais quand je dis peuple africain, il va falloir que le peuple africain se réveille maintenant. Oui. Je crois qu'après cette histoire du Covid-19, là, tout va revenir à zéro. Parce qu'apparemment, eux tous, là, leur économie est en train de chuter, machin. On va revenir à une table de discussion. Donc, c'est le moment. Si on apprend que ce vaccin arrive, là, c'est le moment de se lever. C'est le moment de se lever et mettre en minorité les différents chefs d'État. Parce que le vaccin, là, la maladie, là, ne va pas venir trier. Toi, tu es de la gauche ou bien tu es de la droite. Non, ça ne va pas trier ça. Ça va faire ce que ça doit faire. Et les vaccins qu'ils envoient là, ils savent ce qu'ils envoient. Ils disent, ils veulent réduire le nombre de personnes sur la planète Terre, qu'eux n'ont pas créé là. La Terre que Dieu a créée. Eux, ils veulent réduire le nombre. Donc, là où ils pensent qu'on doit bien réduire là, c'est en Afrique. Or, c'est là-bas, il y a la richesse. Mais c'est là-bas, là, il faut réduire les gens parce qu'on nous fait savoir qu'on est pauvre, on est minable, on est tout. Alors que c'est nous, tout ce qui se trouve en Europe ici, là, qui est en Afrique. C'est-à-dire que quand tu prends le café, le cacao, le pétrole, tu prends le bois, tout caoutchouc, ça quitte en Afrique. Mais c'est là-bas, on dit qu'il faut aller tuer plus. Et puis, on va réduire le nombre. C'est le vaccin là qui arrive, si vous ne le savez pas. Moi, j'appelle le peuple africain à se mettre debout. L'heure est arrivée de demander la souveraineté. Parce que si nous ne sommes pas souverains, ils vont toujours décider à nos places. Laissez l'indépendance des façades qu'ils nous ont données. Ça, c'est eux qui ont décidé ça, dans un bureau. C'est le moment.
Depuis le temps des temps, il y a des Africains qui ont une vision, qui ont vu ce qui s'est passé, qui ont vu ce qui allait se passer. Et ils ont commencé à dénoncer. Mais comme ils étaient toujours seuls, quand tu les prends, nos différents leaders africains que nous aimons chanter, que nous aimons toujours, qu'est-ce que je peux dire, louer dans des chansons, reggae, dans des pièces de théâtre, dans des films. Nous, Africains, on attend toujours, quand quelqu'un de très important qui luttait pour une cause noble décède, pour venir dire, non, il avait fait ça. Regardez, il y a des gens qui étaient là, qui condamnaient Kadhafi. Aujourd'hui, quand ils parlent de Kadhafi, c'est-à-dire on le montre même au fils de Dieu, frère Kadhafi. Mais oui, pourquoi vous ne comprenez pas tant à chaque fois ce dont on parle? C'est-à-dire que Kadhafi, là, il ne luttait pas. La Libye, il a été à l'aise. Mais il luttait pour le reste de l'Afrique. Mais il était emmerdé parce qu'il y avait des chefs d'État africains qui étaient trempés dans des choses. Et ça, aujourd'hui, on dit qu'ils ont fabriqué vaccin pour nous. Ils vont nous exterminer. Et à savoir s'ils n'ont pas commencé à vacciner la population africaine. C'est vrai. La menace est réelle, la maladie existe. Déjà, même une maladie qu'ils ont fabriquée eux-mêmes. Elle existe, effectivement. Mais je ne pense pas. Eux-mêmes, ils n'avaient pas pensé que ça allait travailler comme ça sur le continent européen. Ils n'ont pas fait ce calcul-là, je ne crois pas. Ils n'ont pas compris que ça allait les travailler eux-mêmes d'abord avant d'aller ailleurs. Et aujourd'hui, vous qui êtes touchés, à chaque fois quand tu allumes la télé, tu es à près de combien de milliers de morts, à des centaines de milliers de morts. Vous n'expérimentez pas le vaccin là, ici où on est là. Vous emmenez ça en Afrique où pour le moment on n'a que 200 cas, 300 cas dans les pays africains. C'est là-bas que vous voulez aller expérimenter. Mais pourquoi vous aimez tant l'Afrique? Pourquoi vous vous souciez tant pour nous à notre place? Les gars, vous aussi. Est-ce que... Non, soyons sérieux. Ça veut dire que vous aimez l'Africain plus que l'Africain lui-même aujourd'hui. Et ils ont commencé tout doucement à nous préparer l'esprit. Ça veut dire que c'est d'abord le patron de l'ONU qui est sorti, puisque c'est là-bas qu'ils décident toutes leurs décisions des diables sorciers. Là. Donc, il est sorti d'abord pour dire, écoutez, on a préparé un vaccin parce que la maladie, là, si ça arrive en Afrique, vraiment, ça va faire ravage. Là-bas, on va venir vous vacciner. Et vous voyez, aujourd'hui les Africains, ils font les mêmes écoles que vos enfants. Aujourd'hui, là, les Africains, c'est-à-dire que ce n'est plus l'Afrique de la dernière fois là, où vous nous avez bloqué. Aujourd'hui, on a percé votre mystère aussi. Donc, quand vous commencez, là, on vous voit venir. Quand vous commencez, on vous voit venir. On sait à quoi vous voulez aboutir dans ce que vous faites là. C'est pas nous. Je demande au peuple africain du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, j'ai dit l'Africain, celui, un chef d'État qui va se permettre d'accepter ce vaccin et commencer à vacciner sa population, il faut lui démontrer que il n'est pas chef d'État pour sa famille, ni pour sa maison, mais c'est pour un pays. Et ce pays-là, il y a des gens qui décident, et il y a des gens qui ont fait qu'il est là à la tête. Il faut le démettre et puis placer un enfant de ce pays-là qui va dire aux Blancs, attendez avec vos vaccins. Oui, les Arabes l'ont fait, ils ont parlé de printemps arabe. Et puis ils ont réussi à s'imposer. Il est arrivé, le temps est arrivé de dire à nos dirigeants, personne en veut. On a besoin de tranquillité. Donc, ne prenez pas les positions, les décisions impopulaires là, qui vont venir détruire la population. Non. Pourquoi? Pourquoi on doit nous vacciner? Expliquez-nous pourquoi on doit nous vacciner, puisque nous, on n'a pas encore commencé à faire les mille et quelques morts en Afrique. On n'a pas encore commencé à faire 3000 morts en Afrique. C'est maintenant que la maladie est en train de faire 100 cas, 200 cas. Donc, les mêmes moyens que vous avez mis en place là, venons, on va les mettre en place, confiner la population pour le moment, mettre en place un plan d'urgence pour pouvoir compenser le vide sur le plan économique pour que la population reste chez elle, pour ne pas se faire contaminer. Vous amenez le vaccin, mais commencez à vacciner ici. Commencez à vacciner si on va sortir des maisons parce qu'on est confiné, ça fait 2 semaines. Commencez à vacciner, on va sortir pour aller travailler, alors on va commencer, on va sortir des maisons.
Commencez à vacciner en Italie, commencez à vacciner en Espagne, commencez à vacciner en France. En France, là, France qui décide pour l'Afrique, l'Afrique francophone, là. La France, là, actuellement, là, l'Allemagne est en train de prendre leur malade. Luxembourg prend leur malade. Qui encore est en train de prendre leur malade. Donc, commencez à vacciner là d'abord. Et puis, quand nous, on est assis, on regarde les vaccins, là, on vraiment agi. Quand ils ont vacciné les gens, ils sont bien portants. On peut vous dire, bon, les vaccins, là, vous pouvez venir à ça. Mais dès que vous avez créé vos vaccins dans votre laboratoire, les premiers qui doivent essayer, c'est nous, les Africains. Ah, on est moutons. On est vos moutons. On est vos moutons. On est tellement vos moutons qu'on ne peut pas décider à notre place. Peuple africain, l'heure a sonné. Je crois que ce Covid-là est venu pour rétablir l'ordre, pour équilibrer les forces. En Afrique, on a le café, on a le cacao, on a le bois, donc on a l'EVA, le caoutchouc, on a le fer, on a l'uranium, on a, pardonnez, cité, c'est qu'on a. Cité, c'est qu'on n'a pas. On a nos forêts, il y a à manger. Ça veut dire que quand on parle de famine, si nous-mêmes on met en place des plans en Afrique, là, il n'y a pas un pays africain qui va mourir de famine. C'est quoi? Pourquoi vous faites ça? On n'est pas où on est arrivé là. L'heure à laquelle on est arrivé là, ce n'est plus une affaire de je suis partisan de Youssouf, ou bien je suis partisan de Aristide, ou bien je suis partisan de Joseph. Non. Il n'y a pas affaire de partisan dedans. Si tu veux tuer le peuple va te démettre. C'est l'heure là qui est arrivée. Oui. C'est l'heure qui est arrivée. On ne peut pas. Vous nous voyez comment? Puisque quand on prend l'histoire de l'Afrique, on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'écriture vient de l'Égypte. Comment se fait-il que vous avez changé les données, vous avez changé les choses? C'est devenu le continent le plus pauvre alors que toutes les matières premières quittent là-bas pour remonter en Occident. À quel moment on est devenu dernier? Parce que vous avez formaté des intellectuels africains que vous appelez nos chefs d'État là, pour les déposer là, qui sont là que pour exécuter vos plans minables là. C'est ça? Non. Je vais interpeller ici les personnalités publiques tels que les sportifs, les artistes africains, qui aujourd'hui font des sorties pour dénoncer le comportement des Occidentaux. C'est bien ce que vous faites. Mais je vais vous demander de le faire tout le temps. Parce que si nous nous levons à chaque fois pour dénoncer les comportements arbitraires de nos différents dirigeants dans les différents pays africains, vous allez voir que l'Afrique va commencer à se redresser. Parce que quand on commence à les s'attaquer, à parler dessus les plateaux de télé, je crois qu'ils cherchent à se ranger, à avoir un comportement digne. Vous ne pouvez pas être à la tête des différents pays pour dire que vous dirigez, vous êtes là pour ces pays, vous êtes là pour ces peuples. Et puis c'est ces peuples-là qu'on va venir massacrer en masse. Et puis vous êtes là, ça ne vous dit rien. Parce que tu sais quoi, il y a quoi? Il y a de l'argent là, il y a quoi derrière? Si tu as un peu que tu vis, c'est déjà bon. Tu ne vas pas venir vendre ta dignité, vendre ton caleçon, vendre ta culotte, il y a quoi? Mais arrêtez! Peuple africain, levons-nous. L'heure est arrivée. Tenons-nous debout. Et on va se braquer contre ce vaccin. Quel que soit le pays. Vous allez voir, quand le vaccin va arriver, ça est déjà là-bas. Je vous dis, le vaccin est déjà là. S'ils en parlent, c'est parce qu'ils l'ont déjà envoyé. Ils attendent l'occasion, nos dirigeants attendent l'occasion, le moment propice pour mettre ça dehors. Les pays anglophones qui sont en Afrique, là, vous allez voir que à l'Afrique noire, leurs vaccins, là, ils ne vont pas vouloir envoyer ça vers là-bas. Ça sera que les pays francophones là, qui vont bien battre. Et quand tu réunis la Guinée, le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Libéria, Sierra Leone, Togo, Bénin, Niger, Centrafrique, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Gabon, Tchad. Quand on se met ensemble, c'est quoi la France peut dire et puis ça va nous effrayer. Ça, je n'ai même pas cité les pays anglophones.
Donc, quand on rajoute les pays anglophones de l'Afrique là, sur ce que j'ai cité là, c'est quoi ils vont décider, et puis nous on ne peut pas bloquer, parce que c'est tout le continent qui est braqué comme ça. Vraiment, 2020, de la manière on a fait les calculs, 20 plus 20, 40 là, et puis on est arrivé, puis on nous a montré le coronavirus là, c'est le moment aussi d'arriver pour dire que les choses ont changé. On va rétablir l'ordre, on va équilibrer nos relations, nos rapports. Oui, on va équilibrer nos rapports. Là, c'est le panafricain qui vous parle. Là, c'est l'Africain qui est en train de lancer un message. C'est ce combat que nous menons. Oui, nous soutenons tout Africain qui se lève, qui pense à l'intérêt général de l'Afrique. Moi, je le soutiens, moi personnellement. Mais celui qui fait les calculs de l'Occident, celui qui fait les calculs parce qu'on va l'envoyer en mission contre l'Afrique, moi, je me braque contre la personne. Donc, ce n'est même pas une affaire de quelqu'un de là-bas ou bien de là-bas. Non, non. Voici mon combat. Et l'heure est arrivée, je pense qu'ils m'ont envoyé sur mon terrain. Donc, je demande à toutes nos personnalités, à toutes les stars africaines, quel que soit vos domaines, le moment est arrivé de se lever et de dénoncer. Maintenant, aux populations, ils ne vont pas mettre corde dans vos coups pour aller vous vacciner. Donc, si vous voyez une équipe de campagne qui dit qu'elle est venue pour vacciner dans une contrée quelque part en Afrique là-bas, il faut les vacciner eux-mêmes. Prenez les vaccins et puis vous les vaccinez eux-mêmes. Eux-mêmes d'abord, on va les protéger d'abord. Vaccinez-les d'abord avant de vacciner quelqu'un dans la population. C'est-à-dire quand ils arrivent, vous leur dites non, attendez, nous, on va vous vacciner aussi d'abord. Barrez la route à ce vaccin. Ils savent ce qu'ils ont un plan. Et ce plan, ils vont forcément atteindre. Parce que quand ils ont fait le calcul, ce n'était pas eux qui devaient tomber comme ça par milliers. Ce n'était pas ici que ça devait agir. C'était visé pour l'Afrique. C'était l'Afrique qui devait payer le lourd tribut. Mais comme le Dieu qui a créé cette terre, l'humanité, est un Dieu juste, donc le Dieu des opprimés, il a changé les choses. Et du coup, c'est ici qu'il y a des morts. Mais ce qui est flagrant, où il y a mort, comme ils ont déjà leur plan, c'est un plan qui est là. Il y a des morts. Mais vous sautez là où il y a plus de morts. Mais vous dites que vous voulez aller forcément en Afrique. Respectons-nous. Je dis, ce n'est plus l'Africain d'avant-hier. Non. Vous avez affaire à un autre style d'Africain. Et nous avons fait les mêmes écoles. Nous sommes dans les mêmes centres de formation. Dans les laboratoires où vous étudiez, il y a des Africains qui sont là-bas. Dans vos instances de décision de tribunal ou bien quoi, des tribunaux ou bien quoi là, il y a des Africains qui sont là-bas. La preuve, on a vu des jeunes Africains qui ont mis en déroute des soi-disant magistrats hors pair, quoi, européens, à la CPI ici dans le dossier du président Laurent Gbagbo. Pour vous dire que ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus la même chose. Nous allons faire barrage. En fait, là au moins, on sait que on s'est opposé et que vous êtes venus avec des bombes pour nous exterminer comme vous avez fait au Japon, Hiroshima et autres. Voilà. Mais vous n'allez pas jouer avec notre esprit. Genre, on n'est pas intelligent. On va venir vous vacciner et puis bon, c'est tout. Je dis, s'il y a une équipe de vaccins qui arrive dans votre village ou bien votre campement, qui dit que cette équipe-là dit qu'elle est là pour vacciner quelqu'un, prenez les seringues là, vaccinez les gens de l'équipe-là d'abord. Vous les vaccinez eux-mêmes. Quand vous les vaccinez là, vous les gardez dans le village. Vous observez au moins une semaine, deux semaines pour voir leur réaction. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans le vaccin. Après, tu as vacciné l'enfant de quelqu'un, à peine tu donnes de l'eau, il va commencer à aboyer. Puisqu'on nous prend pour des animaux, pour des sauvages. Mais ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. C'est vrai que je ne suis pas pour. Non, on doit quitter telle chose. Non. On doit réclamer notre souveraineté. Mais pour réclamer notre souveraineté,
Il faut faire comme nos parents du Nord, les Africains du Nord. On doit créer notre monnaie. On doit transformer sur place nos matières premières, créer nos usines. Vous allez voir qu'à partir de cet instant-là, on ne va plus décider à la place de l'Afrique. On va s'asseoir ensemble pour dire, qu'est-ce, comme dans un couple, quand il doit avoir une décision, de toute façon, ça échange pour dire non, voilà ce qu'il faut faire pour ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. C'est comme ça qu'ils vont faire. Ils ne vont plus décider à notre place. Regardez comment ça s'est passé. Et aucun chef d'État africain ne s'est braqué contre cette tête. Vous voyez, est-ce que vous suivez un peu ce qui se passe? Ça veut dire qu'ils sont sortis sur les médias, l'ONU a parlé. Est-ce que vous avez entendu un seul chef d'État africain se lever pour se braquer, pour dire non, on n'est pas d'accord avec ce que vous venez de dire, non, c'est pas l'Afrique, est-ce que c'est... Non, parce que l'affaire a été déjà bouclée. Faites barrage. Bloqué. C'est pas, on n'est plus à l'heure de je suis partisan de X ou bien Y, ou bien c'est parce que c'est mon parti qui est au pouvoir. Non. La maladie là, on n'est pas parti politique. C'est comme quand il y a la guerre là, les balles qui viennent là ne trient pas qui est de quel camp. Sinon, ils ont été les premiers à déclarer que c'est une guerre, mais ils savent que c'est une guerre. Ils s'en vont en guerre contre l'Afrique. C'est une guerre, effectivement. C'est une guerre. Et comme ils ont fait leurs calculs, ils ont fait leur programme. Ils ont tout programmé. Donc, ne sachant pas que le virus allait vraiment ravager en Europe, malgré le massacre qui s'est fait en Europe par le virus, ils décident forcément d'aller en Afrique. Parce que c'était ça le plan. C'était ce qui était décidé. Parce qu'ils ont dit que jusqu'à 2001, là, on sera à tel nombre de personnes sur la Terre. Et ça va être difficile. Mais, excusez-moi, chacun a son continent. Si vous voyez que nos enfants prennent les pirogues, ils prennent les navettes pour traverser l'océan pour venir ici là, c'est vos politiques, vos dirigeants qui vous déposent à la tête de nos états là, qui ne leur donnent pas à manger là, qui font que eux aussi sont obligés de traverser l'eau pour venir vous retrouver ici. Si demain chacun décide de laisser le continent de son camarade en paix, parce que je vous dis que l'intelligence là, il y en a en Afrique. Donc il y a des gens en Afrique si aujourd'hui qui peuvent faire des programmations informatiques, qui peuvent faire des recherches, qui peuvent entrer dans les laboratoires pour sortir des médicaments, parce que votre virus là, il y a des chercheurs africains qui ont découvert ça, qui ont trouvé la solution en Afrique. Pourquoi vous ne les associez pas à votre vaccin là, vous avez décidé seul d'un vaccin que nous on connaît pas. Maintenant celui qui envoie le vaccin, votre Bill Gates ou bien quoi là, mais il est aux États-Unis là-bas, actuellement la santé de faire des milliers de morts. Pourquoi il commence pas à vacciner là-bas? Et puis c'est forcément. Vous allez voir, chacun reste dans son coin. Vous allez voir que on va vous dépasser. C'est vrai, on nous prend pour notre un Africain. Non, si nous déposons la démocratie à la tête de nos différents États. Si nous déposons à la tête de nos différents États, je dis bien les démocraties, on fait une élection, il n'y a pas par la comme ça se passe dans les pays anglophones, hein, au Ghana, machin, où qu'on finit une élection, on dit bon, ok, même les anciens chefs d'État, ceux qui ont dirigé, quand il y a des décisions comme ça, des États d'urgence qui se retrouvent tout de suite pour se parler, parce que la politique, eux, en Europe, ils ont expliqué que la politique c'est un jeu, et ils ont expliqué aux Africains que non, la politique, tu dois tuer ton opposant politique. Est-ce que vous voyez un peu comment ils jouent avec nos esprits? Et vous, dans un État, quand vous voyez un dirigeant d'un pays qui commence à s'associer à ses opposants ou bien aux anciens chefs d'État pour se concerter, pour prendre des décisions, le peuple est tranquille. Ça se parle correctement entre la population. Mais quand vous voyez qu'il y a un dirigeant qui dirige un pays et qui commence à attaquer ses opposants, qui commence à les martyriser dans la population, là, il y a la guerre aussi. Yeah. Oh, c'est grave, c'est ça, là. Flag, maman. Ça, maman, mais son gaza posé et ça passe pas ici, n'est-ce pas? Ok. Gay, ich komm. Yeah. Excusez-moi. On est confiné, donc, où on est là? Quand on est dans. C'est quand on veut régler, les enfants aussi viennent, ils parlent dans le confinement. Vraiment? Je l'ai dit toujours, personne ne va mener le combat à notre place. Aucun blanc ne va se lever pour dire
que lui vient défendre la cause d'un Africain. C'est pas possible. C'est vrai que certainement le président de la Russie, Poutine, essaie plus ou moins d'attirer notre attention, de créer parfois l'équilibre. Mais nous-mêmes Africains, vraiment on dort. Levons-nous maintenant. Levons-nous maintenant et puis imposons le respect. Tant que nous ne serons pas souverains, je dis bien souverains, et c'est ce que des enfants de l'Afrique réclamaient depuis, ils ont réclamé dans le temps, les Thomas Sankara et autres qui ont été assassinés, pour ne prendre, je cite les noms au fil à mesure, hein, pour arriver jusqu'à aujourd'hui, après Mohamed Kadhafi, au président Laurent Gbagbo qui se trouve à la CPI, ils ne réclament rien d'autre. Moi, je suis ivoirien. Que tu aimes Laurent Gbagbo ou pas, il ne faisait pas une politique de sa poche ou bien une politique. Il faisait une politique dans l'intérêt de la nation et de l'Afrique. Il demandait la souveraineté. Pourquoi tu vas combattre quelqu'un parce qu'il demande sa souveraineté? Mais je te soutiens. C'est tout. Maintenant, je prends l'exemple. Comme je suis ivoirien, j'ai beaucoup d'exemples dans ce sens. Puisque moi, sur ma page Facebook, j'ai tout le monde. J'ai mes amis de Tunisiens que je suis en ce moment, mes amis du Maroc, de l'Algérie, j'ai des amis du Congo, des deux Congos, du Gabon, du Tchad, de la Centrafrique, j'ai des amis du Bénin, du Togo, du Cameroun qui me suivent. Donc, je suis suivi sur ma page par toute l'Afrique. Mais ce que je dis, les exemples que je prends, c'est parfois des exemples de la Côte d'Ivoire pour pouvoir mieux illustrer un peu mon speech. Alors, quand je trouve un chef d'État africain qui commence à parler au nom de l'Afrique, qui a une vision pour l'Afrique, moi je le soutiens. Quand je suis en face d'un chef d'État qui commence à faire les éloges de l'Europe, non, voici, il faut, moi je prends du recul et puis je regarde la personne, parce que pour moi l'heure est arrivée pour nous Africains de nous lever et de dire stop. Ce n'est pas une affaire de vouloir dénigrer ou bien de pouvoir l'insurrection. Non. Arrive un moment quand tu me dis qu'on est en guerre, mais on est en guerre. Parce que moi, Africain, quand je m'assois et puis je t'entends dire, oui, ce vaccin, par exemple, il faut l'essayer sur, par exemple, en Afrique. Mais tu me méprises et tu veux que je porte des gants pour te parler? Non, je ne peux pas porter des gants pour te parler. Je ne vais pas boucher ma bouche pour te parler, non. Je vais te parler pour que tu comprennes. Dès lors où on est en guerre, je vais te dire stop. Je ne vais pas inciter les gens à aller attaquer les ressortissants, les occidentaux sur nos différents sols, non. C'est des gens qui dirigent des états ici, en Occident, parfois même leur population ne se pas informée, et qui sont en complicité avec nos dirigeants en Afrique. Et nous aussi, population africaine là-bas, on n'est pas aussi informés. Et c'est quand ils ont fini de s'accorder là, qu'on paye le tribut. Alors, soyons déterminés. Oui, Paris, je suis d'accord avec toi. Soyons déterminés. Parce que là où on est arrivé là, il faut une Afrique unie, seule et forte, qui se lève pour dire stop à l'Occident. Stop. Nous avons les moyens de rester en Afrique et de vivre mieux. Si et seulement si on obtient notre souveraineté. On n'est pas souverain. Si nous ne sommes pas souverains, nous allons subir. Ça veut dire que les gens finissent de manger chez eux et puis jettent le reste là sur nous. Nous allons continuer de subir ce que nos ancêtres ont commencé et ils n'ont pas terminé. Les Sékou Touré et autres. Ce que nos papas ont commencé et ils n'ont pas terminé.
L'heure est arrivée pour nous qui sommes là, déterminés, afin que nos enfants, les générations futures africaines, soient dans l'opulence, soient à l'aise. L'Afrique est le berceau de l'humanité. La connaissance vient de l'Afrique, donc de l'Égypte. L'écriture vient de l'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? Je repose la question pour que nous comme un continent pauvre. Parce que on a des dirigeants que nous déposons. Au départ, dans l'opposition, ont des discours panafricains. Dans l'opposition, ont des discours où on pense au continent africain et une fois au pouvoir, qui ont d'autres comportements. Il est l'heure pour l'Africain de dire stop. C'est pourquoi j'ai demandé, est-ce que nous avons les moyens de stopper ce vaccin en Afrique? Oui, nous avons les moyens, si nous nous levons. L'heure est arrivée de faire la révolution africaine. Oui, c'est l'heure pour nous. Prenez le courage, prenons le courage et levons-nous. Levons-nous et parlons à nos différents dirigeants pour leur dire, on vous met en garde, n'acceptez pas de jouer le jeu des Occidentaux avec ce vaccin qui arrive. Celui qui va rentrer là-bas, je demande aux Africains, on s'unit, on s'en va, on le dégage ensemble, comme ils l'ont fait dans les pays arabes. On s'unit, on s'en va, on le dégage ensemble, toute l'Afrique. L'heure est arrivée. Levons-nous. Parce que ça ne sert à rien de s'asseoir, bavarder. Non, le vaccin là, on attend ici. Quels moyens avons-nous pour empêcher? Quels moyens avons-nous? Quelque chose que l'Union européenne a déjà décidé. Nos chefs d'État, ils ne peuvent rien dire. Peut-être que vous allez voir que le fait que la population va se lever, les Africains vont se lever pour se braquer contre cela, eux-mêmes, ils seront contents. Ils vont dire, ouf, on n'a pas parlé, mais ils ont compris notre message. Je vous le dis, en vérité, en vérité. Ils sont coincés. Parce que s'ils s'y opposent, on peut les dégommer de leur place où ils sont. Donc, population, peuple africain, l'heure est arrivée pour nous. S'ils ne peuvent pas parler, nous on va parler. Parce que ceux qui viennent vacciner là, ce ne sont pas les enfants. Vous allez voir que ça ne sera même pas la famille des dirigeants là, de nos différents dirigeants là, ne vont pas se faire vacciner. Leurs enfants ne vont pas se faire vacciner. Eux-mêmes ne vont pas se faire vacciner. Donc ça veut dire qu'il y a une masse là, la population là. C'est la population qui vient vacciner. Nous on va dire non aussi. On ne va pas nous vacciner. On ne sera pas vacciné. Celui qui vient avec un vaccin devant toi, prends sa seringue et puis tu le vaccines lui-même. Voilà. On est arrivé à un moment où il faut qu'on se parle maintenant de façon directe. Alors, chers parents africains, chers panafricains, je ne suis pas sorti aujourd'hui parce que je suis l'Ivoirien, non. Je suis sorti là en tant que l'Africain. Pour parler au peuple africain. Oui. Non au vaccin. Et ne nous taisons pas aussi. Nous allons agir, mais nous allons dénoncer aussi. Donc, continuons de dénoncer pour leur faire comprendre que ça ne passe pas. J'ai vu des vidéos, je ne sais pas si c'est vraiment sûr ou pas. Je ne peux pas certifier ces vidéos où j'ai vu. Des speeches où des gens disaient qu'ils venaient de se faire vacciner. Je ne sais pas quel vaccin, parce que comme nous sommes sur les réseaux sociaux, les gens, chacun fait son buzz pour peut-être attirer, je ne sais quoi, ses germes ou quoi. Mais si on constate que les vaccins sont en place, on va faire barrage. On va s'opposer à ça. Merci d'avoir pris de votre temps pour m'écouter. C'était mon message pour vous dire non au vaccin. Merci, chers parents. Que Dieu bénisse l'Afrique.